Du quoi? Bonjour, bonjour Luc, bonjour Adibou, bonjour YouTube. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez Bonjour. bien. Très heureux de vous retrouver pour Crusader Kings 3. Le temps du royaume est venu, il est temps, mon cher Adibou, mon cher Duc Bartholoméus, que toi et moi, Duc Eustace, en l'an de grâce 923, nous devenons enfin rois parce que notre lointain cousin, le roi Minos, mais il est déjà roi en fait. Ok? Et Donc moi, ça se Adibou. complique. Moi, j'ai eu des complications et j'ai eu des énormes complications, devrais-je dire. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais t'as tué tous tes descendants, donc à un moment c'est normal qu'il te restait plus rien. Gagnes combien de prestige toi, Dibou? Parce que toi, il te manque vraiment du prestige. Combien de 1 prestige? plus 9. Ah oui, moi je suis à 3-2 au fait. Comment t'as fait? Mais moi j'ai. Ah, je suis impatient. Affaires étrangères, à donner à boire à chacun, duché détenu, comté détenu. Ah, je peux ériger une pierre. Pourquoi donc, tiens? Comment tu fais Ah, ça, pour Rick? mon ennemi. Ah oui, c'est les Hollandais qui peuvent faire ça. Pierre unique parlera de victoire dans la conquête, ok? Ça va me donner du prestige. Ah oui, 250 d'or et 250 PT, 350 de prestige. Je suis illustre. Bon, ça m'a coûté de l'or, donc Bravo. maintenant je vais devoir attendre un petit peu. Mais ça va aller, je vais vite les avoir et je pourrai fonder le royaume d'Anglie. Alors je m'attendais vraiment pas, je connaissais pas l'Anglie avant de. Ah yes, ma Ah, femme est avant de enceinte. jouer. Et Let's go. donc? Bah, on a Ken et on attend la suite. Niveau des différents âges. Alors moi j'ai un personnage très particulier parce que je suis à moitié pas bien et à moitié très bien en fait. C'est très ambivalent. 47 ans, Adibou 25 ans et Luc 41 ans. Je devrais donc mourir en premier je pense. Et on a encore le temps. Les mois vont passer, Ah, vont passer. je suis érudit. Et oui. Rendez-vous compte, j'ai 29 en érudition. Alors attendez. Non, elle s'est absentée, etc. Elle me trompe peut-être. Le prince archevêque d'Utrecht, qu'est-ce qu'il fout? Le territoire en jaune à côté de moi, pourquoi il est comme ça? Est tout Mais c'est un hein? archevêque. En plus, il Ce est chaste. personnage ne porte rien. Pas de tenue. Prestige, moi. Un homme sage, Mais quoi? pèlerin. C'est pas un secret. Ma Mais cousine c'est est enceinte. parce qu'il est lunatique. Ah non, pas de Non? tenue, oui. Oui, c'est sûrement ça, il devient fou, je pense, de temps en temps. Allez. Ce personnage ne porte rien. C'est Mais ça. oui. Mon dieu. Mais je pourrais le vassaliser. Ah, je peux demander Ah, Walp, le l'excommunication. gamin. C'est sympa ça, oui. Zut fun. Alors, l'Italie n'existe plus. Je sais pas Mais ce qui se n'empêche que passe. le gars, il a Hello 40 en l'Italie. érudition. Ouais, oui, Le c'est un gars, il est sage. fou, mais il est Oui, quand c'est un même sage. très intelligent. Ça. Il a beau être fou et tout Moselle. nu, il a un sacré cerveau. Göttingen. C'est pas la même religion. Ils n'accepteront jamais d'être vassalisés. Et la Frise. Moins 3. Le comte Popo, qui était l'ancien duc, je pourrais le vassaliser bientôt, en fait. Le Hein. quoi? Le Le? comte Popo. Oui, comte Popo. Comte Popo. Oui. Payer 235 pour recruter une meuf comme ça, mais t'es un malade, toi. Tiens, je vais l'assassiner, elle. Allez, hop. Ah, On est quoi? où? C'est une folle, c'est une folle, elle. On est où, là? Qui ça? Renvoyer de la cour. Mais bien sûr, ça dégage, ça. Ok, d'accord. Pour qui elle se prend? Ok, je peux demander de l'or au chef de la foi, mesdames et messieurs. Non mais, Attends, défi il est en chaud. érudition. Alors, je vous avoue, je lis pas trop. Ok, il peut perdre, c'est pas grave. Mais encore une fille! Mais j'ai trois filles! Mesdames et Trois! messieurs, Trois mesdames et filles! messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, réunissons le pays. J'ai réuni les terres de Hongrie, de Hollande et de Westphalen. Toute ma vie, j'ai œuvré dans ce but, appeler mes vassaux et leur faire jurer fidélité. Maintenant et pour toujours, ils me rendront hommage non seulement en tant que leur seigneur liège, mais aussi de roi de Hongrie. Mon pays durera pour toujours. Je suis malade. Non mais ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Si je meurs maintenant, franchement, si je meurs maintenant,
C'est du grand n'importe quoi. Je vous le dis, monsieur. Je le dis haut et fort. C'est non, du c'est sabotage. C'est bon. Tu as eu un remède efficace. C'est bon. Arrête de te plaindre. Je suis devenu roi. Bon, Adibou, tu fous quoi? Mais j'ai besoin de prestige. J'en ai pas. Je sais pas comment en avoir. Ça me saoule. M'étonne pas trop qu'il soit en guerre. Pas prestigieux. Mais je fais que ça. Je fais des guerres partout. Mais il faut les gagner, hein. Bah, je les gagne, mais en vrai, la guerre, ça donne rien du tout. Bah, si tu tapes des petits comtés, oui, c'est sûr. Voilà, 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 voilà. Votre frère est mort. Et de toi, j'ai dans une bataille. Duché, quoi. Vous alors... obtenez le trait journal intime. Oui. Alors, je vais faire quelque chose. Pas que ça me dérange, au fait. Je suis borgne. Ah non, j'ai cru. Non, non, c'est bon, c'est une blague. Je trempe ma plume une fois de plus. Bien, j'ai renommé mon royaume. Mais non, mais... Voici l'Asgari. Parce que là, la Anglie, c'était un peu... particulier, quoi. Avec trois cœurs qui représentent les Quasimodo, les animateurs et les Asgariens. Et le blanc, c'est la pureté du leader suprême. Pureté qu'on retrouve dans la maison de Von Asgari. Allez où vous voulez, mourrez où vous devez. C'est la devise de la maison Von Asgari. Avec le bleu qui représente le bleu du ciel, de l'espace, de l'infini, de la beauté du leader. Quoi ? La sécurité, la piété et l'union. Et Adibou, c'est sans la peur. Par contre, on attend toujours qu'il soit... Sentir. Je n'ai pas. Sentir ou l'absence ? Sans l'absence. Non, sans l'absence. Bon, il faut que je vassalise, mais faudrait que je lui donne de l'argent en fait, mais j'ai pas envie de lui donner de l'argent parce que moi je vais développer mes territoires maintenant. Je vais développer mes territoires. Je vais essayer de... Alors au niveau or, franchement ça va, donc je vais essayer de faire des... Je vais faire des murs et des tours et puis des LEV. On va essayer d'améliorer Emden. Alors, le vassaliser, il voudra pas. Lui-même, ouais. Et on s'entend pas assez bien. En fait, je pourrais vassaliser pas mal de choses et déclarer peut-être pas mal de guerres aussi. Bon, voilà, je peux vassaliser le comte Popo, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est qui le comte Popo? Oh, c'est une longue histoire. Il était duc, enfin bref, j'ai tué ses parents et tout. Enfin, et tu veux pas récupérer Zolerne, toi? Non, 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 il peut pas, Adibou. Enfin, c'est... Ah putain, la frontière occidentale, c'est bien... Tiens le coup. Pour ça, moi, tu vois, du prestige, je suis obligé d'attendre les banquets et la chasse, quoi. Parce que en même temps, je vais pas taper que des petits comtés. Enfin... Ouais, enfin... comment dire? Dans la vie... Il y a les ploucs, puis il y a des autres, quoi. Mmh. Mmh. Bon, c'est quand il meurt, lui? Qui ça? Bah, mon voisin du sud. Niveau religion, il faut s'arranger ici. Pourquoi tu veux qu'il meure? Bah, parce que j'aimerais bien que ses forces baissent. Qu'il perde ses alliances, un peu des troupes et tout, comme ça je peux aller. Tu peux essayer de l'assassiner si tu veux. Enfin, je te le recommande pas. Hein. Ouais, il est loin, il craint rien. Ouais, ouais, faut. Mais moi, je vais quand même devoir. Il y a quand même plein de choses que je peux aller chercher. En vrai, Prince évêque de Utrecht, il est aussi tout nu. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être tout nu? Ah non, mais c'est le même, c'est pas possible. Ah oui, c'est le même, ok, d'accord. Ah, mais après, c'est vrai que je pourrais appeler les Templiers. Vassalité 24. Je suis pas parent.
On pourrait l'influencer, lui. Le duc de Geldre, pour qu'il nous rejoigne. Et le comte Egmund, il finira bien par accepter. Je pense effondrement mental. Hein. Ouais. Je vais me flageller pour mes péchés. Je vais être blessé, mais ça va. Ça va le faire. J'ai des bonus de santé. Alors, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est ceci. Mais le V... Ah, reculer, c'est mon patient. Je peux essayer de guérir quelqu'un. J'ai sauvé une vie. Et donc, du coup, je gagne de l'érudition. Connais-toi toi-même. Genre, ouais. Je recevrai un avertissement quand je serai à un an de la mort. Alors, il y en a que je vais supprimer. Je vais détruire des régiments qui m'intéressent pas. Là, je vais les garder. Là, je vais les détruire. Voilà. Ceux-là, je vais les garder petit à petit. On va essayer d'avoir de meilleurs hommes. Je peux rançonner. Ok, je te rançonne. Bon, j'ai toujours ton infante, là, Kim qui m'enquiquine. Elle sait pas faire des gosses avec son fiancé. Mais non, son fiancé, il a 11 ans, le duc de Spolette. J'accepte l'invitation. J'espère que ça en vaut la peine. Presque rayonnant, qu'ai-je fait? Qu'ils apprennent des secrets les uns sur les autres. Les Omeyyades, 5000 troupes, plus que 1800 troupes, vous allez vous faire ratatiner. Ouais. L'Empire byzantin est pas si fort. Ah, je suis festoyeur enthousiaste. Diplomatie plus 2, ok, pas mal ça. Ah, cool. J'ai perdu du stress aussi. Nice, nice, et moi, nice. Moi, je ne rejoins pas leur guerre. Hein, enfant autoritaire, Icebrecht. Ok. Bon, ils font un gosse, moi, ou pas, là? Non, mais bon, ils sont bien marrants, là. Problème de fertilité. J'ai vu Torki Toriu manipuler toutes sortes de choses. En tant que médecin, je me dois de protéger votre santé. Cela inclut également votre santé reproductive. Je pourrais faire une teinture qui vous aiderait, vous et votre femme. J'ai également entendu parler de traitements expérimentaux, résultats prometteurs. Ok. Ok, une teinture. Ok, bah la fertilité va bien augmenter. Fertilité fécondité plus 10% et elle aussi. Ok. Bah c'est pas mal ça. Trop de duchés possédés. Ah oui, en tant que roi, j'ai trop de duchés possédés. Là, il va falloir en enlever. Attends, ma fille a été faite prisonnière, là. Tu peux m'expliquer? Par qui? C'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Eh, mais c'est Ferrari. Elle est mariée avec un duc italien, donc... Elle a été faite prisonnière par la comtesse Giovanna de Ferrari. Mais... Quoi? Accorder un titre de duc, on va s'en séparer. On va se séparer du duc de Ostfalen. Hop, je t'accorde juste le titre. Tu deviens duc de Ostfalen, qui m'aime bien, c'est pas mal. Et alors, le chancelier. T'es sûr qu'on a un malus si je suis. Ostfalen. Si j'ai plusieurs titres de comté? De duché, oui. Moi j'en ai eu plusieurs, là il m'a demandé de serrer. Mais ça t'est arrivé quand j'étais roi, je sais pas si quand t'es de duc ça t'arrive ou pas. Maréchal. Voilà, le comte Luthard. C'est bon, je n'ai... À quoi encore trop de duché? Je peux pas avoir plus de 3 titres, je crois. Ah mais de moi 3, 3 c'est même trop. Oui, c'est ça. Oui, mais 3 ou plus quoi. Ah oui, c'est vrai, donc le duché de... De Anglion-Valnan, je vais quand même le garder. Je vais donner le duché de Hollande, non de Frise. Non, le duché de Hollande. Frise et Anglie, c'est quand même... J'ai quand même grandi avec ça. Alors à qui on va le donner? On va le donner un conseil à la cour. Mais mon maréchal, il est pas mal. Allez, le duché de Hollande. Voilà.
Pas mal. Parce que là, je peux avoir deux titres de duché en plus gratuitement, en fait. Mais le problème, c'est que j'en ai déjà trois. Il me manque de listes. Putain, c'est chiant, c'est long. T'as le toujours, hein. Tu. J'en ai marre trop. Ça va Ça avec sert à tes rien. vassaux? Ça se passe bien parce que si Ah ouais, moi, il t'en m'aime as. bien mes vassaux. Il n'y a pas de souci. Bah écoute. Elle est interminable, moi, leur guerre. Vraiment insupportable. Bah, si tu le fais, tu vas gagner du prestige à Dibou. Ouais, mais je vais avoir trop de. Je vais avoir du malus si tu me dis. Oui, mais après, tu vas faire ton royaume et tu pourras donner les titres de duché à qui tu veux, quoi. Moi, je te fais confiance. Ça sera des vassaux. Enfin, je te dis, ça peut être une solution. Je Faudra te fais accepter. confiance. Non. Trop tard. Wouah, bâtard. Ok, on a un souci là. Qu'est-ce Qu'il y a? Dibou? Attends. Non mais on peut pas attendre, on est en vidéo Il YouTube. faut que tu viennes m'aider. Que se passe-t-il? Pour la guerre, il a plus de troupes que je ne le pensais. Pourquoi tu attaques un gars? Bah, normalement, il devrait pas avoir autant de troupes en fait. Ok, bon allez. Bon, j'arrive Mais arrête dans de un me an. mettre dans une guerre. Bon, ça t'arrive dans un an, t'arrives maintenant. Pourquoi? Ah oui, t'arrives maintenant. De toute Bon, allez, je vais le façon, il faut que faire. tu viennes maintenant, sinon je suis mort. Ah, ok, d'accord. J'arrive. Où ça? Au-dessous là. Attends, tu sais quoi? Je vais à Strasbourg. Garde tes troupes à Strasbourg. Et puis je vais les lier à toi. Et tu en feras ce que tu voudras, ok? Ouais, enfin, dépêche-toi de venir quand même, parce que là, 5 mois, j'ai Mais pas je peux prévu. pas aller plus vite que la musique, hein. Mais il se passe quoi? Non, réaffecté, on va mettre affecté ici. Prince évêque Odo. Le comte Popos s'attend en poste au conseil? Bah non, pas pour le moment, tu vas un peu attendre. Là, pour le moment, je vais aider mon collègue Adibou. En fait, c'est la guerre de qui contre quoi? Genre, on va les regarder un peu après. Mes troupes arrivent juste. Ok, à Dibou j'ai lié C'est bon? mes troupes aux tiennes, tu en fais ce que tu veux, elles suivront à Ok, chaque fois. let's go. Que se passe-t-il? Donc tu as décidé d'attaquer la Franconie occidentale pour ça. Ok, et comment ça se fait que le mec a plus de troupes que prévu? Bah, normalement, il ne devrait pas en avoir autant. Mais... Il a fait une alliance au dernier moment, peut-être. C'est bizarre, il mettait 1000, même avec les alliances, enfin c'est chelou. C'est peut-être des mercenaires. Je sais pas. Tout cas, je suis content de venir te sauver la vie. Merci bien, ça me fait vraiment plaisir. Mais de toute manière, tu mourrais pas, hein. Tout ce que tu risquais, c'était de. Attends, dis-vous, c'est quoi cette 760 troupes? C'est des mercenaires. Bah attends, je vais en acheter aussi, bon, y a pas de soucis. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. De toute façon, au pire, si tu perds, tu perds du prestige, tu perds Marie. Attends, je peux recruter des Templiers. Let's go! Ah oui, c'est Ah pour une oui. guerre sainte. Oui, c'est Templier a vrai. été appelé par le duc Bartholoméus II de Transjuranie. Par contre, Adibou, Ah, cher, je sais. tu gères pas tes troupes là. Si, si, si. J'ai On fait. va se retrouver dans. Je vais plus avoir d'armée. Enfin, je suis vraiment pas rassuré. Mais si, t'inquiète. C'est lui qui les guide là. 13 jours. Ah, vous allez courir après pendant longtemps. Pas grave. Allez, stop les. Oh oui. Let's go. Non. En fait, les 700, ils sont une marche en arrière en entrant. Donc, il y a moyen que je chope les 700 avant. Il marche en arrière. Non, mais en gros, ils sont plus lents, tu vois. Ok, d'accord. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils sont bourrés ou quoi? C'est bon. Ah non. Bon, on Oh verra putain. voir plus tard. On verra ça plus Je te le tard dis, ça après. tape. Ah, c'est bon. Let's go.
Ah non, ça va être bon là, 6000 coûte. Oh, il est où? Ah ouais, ouais, ils ont l'air pas mal en face quand même. Quoi? Ouais. Mais non, tu rigoles. Tu rigoles là, c'est une blague. C'est une blague, on a exactement les mêmes troupes, c'est une blague, c'est une grosse blague. Non, non, on a pas exactement les mêmes troupes. Ok, donc mercenaires. Oh là 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 là. Mais c'est une grosse blague, non mais ça c'est une grosse blague par contre. J'ai plus d'armée. Les factions sur moi ça va être une catastrophe. Je peux créer le duché de Hollande, on fera ça plus tard. Je peux demander de l'or. Ok. Non, je savais que c'était une mauvaise idée, je le savais. Non, moi je t'ai pas du tout poussé à attaquer moi. Attends, moi je suis en train de repartir jusqu'en Hollande là, je suis en retraite. Ah oui. Je peux pas t'aider tout de suite. Putain. Mais c'est un peu une catastrophe. Zutphen a proposé la vassalité moins 19. Moins 25. Basse-Lorraine, il peut pas venir lui. Moins 64. Utrecht, le monsieur tout nu là, non, il peut pas venir non plus. Bon, Adibou, on se retrouve. Bon, je vois là où il y a... Je vais à Sungo. À ta capitale. Ah, construction achevée, ok. Nice. Nouvelle érudition, je peux mettre insouciant. Gain de stress, moins 20%, ça sera pas mal. Je suis tellement stressé. Emden. Je vais pouvoir construire un autre bâtiment. Je vais prendre la caserne, ça me fait plus de levée. J'ai un commandant ou pas, ouais. Ou alors attends, Luc, Adibou, on peut le prendre Va le chercher, ouais. Toi, ouais. Et je reviens juste après. Ouais, mais avance déjà maintenant, Adibou. Ouais, t'inquiète, j'avance. Parce que tu vas mettre beaucoup plus de temps que moi. Non, je pense que ça va être l'inverse. Non. C'est bien, puis tu verras, après ils vont encore nous éclater, nous voir. En fait, il attend là à chaque fois. On retente ? Oui. Je vais tout de suite. Non, normalement, ça devrait être bon là. J'espère. Mais non, regarde. Non, mais c'est incroyable ça. C'est n'importe quoi. Il est un bon commandant. Non, là, ça devrait le faire quand même. Ah, si ça. Wow, mais attends, on perd beaucoup. Ouais, bah il est un très bon commandant en face. C'est pas lui-même? Ouais, c'est le comte Sigard. J'espère l'emprisonner. Ouais. Non. Bon, attends, je m'attache au Templier. Je te laisse gérer. Est-ce que tu lis tes troupes aux miennes ou pas? Oui, c'est fait. Je me suis attaché au Templier. Tu les contrôles aussi, de toute façon, ça. Ok. Bon, toi, Luc, tu fais ta vie? Bah, oui. Bah, en vrai, j'attends un peu que ça passe, parce que là, il faut que je remonte le contrôle dans mes comtés, là. Ouais. Ils ont fini leur guerre. Mais bon, du coup, ils ont tout pété. J'attends que l'autre y crève. Puis après, je vais aller taper des gens en Asturie. Ok. Ouais, donc tu deviendras la principale force catholique de la région. Quoi. Bref, voilà. Je fais des bâtiments et tout aussi. Alors, en l'an de grâce 928, la guerre se poursuit. On n'est pas près de la gagner. Il va falloir quand même y arriver en face. Là, tu peux parfois essayer d'anticiper leur déplacement à Dibou. Pour essayer de les contrer. On a Luc ici qui... La cathédrale, c'est toujours pas construite, hein, Luc. C'est ça? Ah non, mais j'en suis loin. Il me faudrait 700 gold encore, mais le truc, c'est que... Bah, j'en ai besoin pour autre chose, quoi. Non, pas encore. Il y a un nouveau combat, là? Ça va, c'est bon. Bah, ils sont forts et puissants en face, hein. Par contre, ils ont fait un siège quelque part, non? Non.
Je comprends pas pourquoi on est en négatif d'ailleurs. Parce que t'as perdu un fight. Non, 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 non. Ouais, je pense... Score si, de si, guerre je pense venant que si. des objectifs. Ah oui, c'est avec le défenseur contre Oui. la cible de guerre. Donc il faut vraiment que tu fasses un siège dans le Attends. comté, au fait, quoi. Ah oui, c'est ça. Il faut Faire vraiment moins que tu 32. prennes. Attends, là je veux. Attends, faut que j'aille vraiment leur éclater encore la tête là, parce que sinon ça va pas le faire. Vas-y. Ouais, essaye de les affaiblir un maximum. Moi aussi, je peux déclarer beaucoup de guerre. Un vassal puissant, c'est un poste au conseil. Ah, maître espion, il est pas mal, lui. C'est la reine de Lotharingie qui est ma vassale? Elle est quoi? Elle est les comtes de Frise? Oh putain. Il m'affaiblit pas mal quand même, hein. Putain. Va J'ai faire trop une peur. alliance avec lui, du coup. Non. Écoute, ce que tu peux faire à la limite, c'est que quand t'auras pris le dessus, à un moment, tu pourras essayer de faire une paix blanche. Ça va être une guerre très très longue. Faut que tu Ça bouges y là, est, dis on bon. sort. Non, mais attends, attends, j'ai beaucoup de choses à gérer, t'inquiète. Ok. Une guerre très très longue. Tu vois pourquoi? En plus, c'est pour un petit truc, quoi. Ouais, dit oui, fais ça. Moi, je fais. Non, j'ai jamais dit. Tu m'as dit que tu pouvais avoir des duchés gratos. Tu m'as Ah oui, jamais mais dit qu'il j'avais un fallait faire une guerre comme duché. ça. J'ai pas compris ça, moi. Alors, le Putain, je me fort suis là, oublié. 6 mois. 3 mois, oui, c'est vrai qu'il va très très vite. C'est un enfer, cette guerre. Eh bien, écoutez, nous allons l'arrêter là sur YouTube. Bon courage. C'est marrant de voir comme ce qu'on fait là aura des répercussions dans 1500 ans. Hein. Ou dans pendant 1200. Enfin bref, à notre époque, c'est dingue de voir comment tout ça s'est construit. Merci Luc, merci Adibou, merci Asgard, merci YouTube. Au revoir et à très vite pour d'autres aventures. Ciao, Ah oh oui. Ouais, cette fois, j'espère que ça va passer, putain. ciao. Au revoir.